crois qu'il a montré qu'il faisait partie des tout meilleurs. Hein. C'est quand même un garçon qui a quand même gagné en slalom, en géant, en super combiné et fait un podium en super G. Donc voilà, après c'était important de rester au contact. Aujourd'hui, les Yeti, il est au-dessus du lot, et c'est clair, faut pas en être bien conscient. On va travailler pour essayer de l'accrocher. Toutes les courses ne se font pas au même endroit avec des conditions différentes et des pistes différentes, donc il n'y a pas de problème. Alexis l'a battu l'année dernière, il peut être battable. Et après, voilà quoi. Après, je pense que Alexis il est bien en place, il a 80 points. L'important c'était de faire un podium, il l'a fait, il entame sa saison correctement. Et derrière, on va travailler sereinement par contre, là oui. C'est vrai que lui disait avant la course qu'il se sentait encore plus fort à l'approche de cette saison. Vous le sentiez Là, il voulait peut-être plus parler de sa maturité et mentalement et par rapport à certaines choses qui peuvent lui attendre puisqu'il va être sollicité. En termes ski, on a un peu du travail encore. Ça ne me satisfait pas pleinement.